C'est une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges confesse lui passe la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approche un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En voyant les doigts de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme, tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue des Cartes. Métro continue son voyage. Elle se dit: jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui t'a l'air ferme et convaincu. Cherche à me rentrer dans le cœur. À qui l'ai-je aimé? Quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Eh oui.